Donc, comme vous connaissez, tout le monde connaît Tigane la puissance. Monsieur Sou, je pense que vous savez si je ne me trompe pas. Donc, la puissance, tu as déjà su me parler. Hein? On entend plus ta voiture que toi-même. Donc, on entend tout. Donc, comme on a pris un peu de retard, j'espère que ça va. Je te souhaite la bienvenue. Et tous ceux qui sont là et qui vont regarder plus tard, je suppose qu'ils vont tous être contents de cette petite surprise. Je suis en route pour la maison. Voilà. Souvent, les gens voient des vidéos. Il y a beaucoup de personnes qui font des vidéos qui ne sont pas de l'IFDG, qui ne sont pas militants, comme moi, par exemple. Je ne sais pas, vous aussi, vous êtes militants, ce que vous êtes exactement, vous allez essayer déjà au début. Vous présenter pour les gens qui ne savent pas. Tout le monde connaît Tigane la puissance, mais qui vous êtes vraiment dans l'UFDG? Ok, merci Madame Marie Sissoko. Comme vous aimez toujours le dire, les sorciers ne voudraient pas, ils ne veulent d'ailleurs pas que j'apparaisse dans votre vidéo. Donc, mais quand cela le tient, nous on a beaucoup de moyens de communication. Et voilà, comme voilà, je suis d'abord je suis Ahmed Idianso, c'est mon nom en état civil. Voilà, et je suis l'un des membres de la fédération IFDG de Prompt, c'est à New York. Voilà, je suis au niveau de la communication de cette fédération en même temps. L'un des membres de la cellule de communication de l'IFDZ, aussi est toujours membre de la communication des 14 fédérations de l'Amérique du Nord. Et voilà, c'est ça, Tidiane, voilà, à ce qui concerne le parti politique. Et depuis 2010, je suis dans ce parti. Depuis 2010, 2009-2010. Voilà. Donc, je suis militant en même temps responsable. Militant responsable. C'est très bien, c'est parfait. Donc, je ne sais pas ce que vous allez nous dire aujourd'hui par rapport à cette rumeur qui court, parce que moi, j'en ai entendu parler, j'ai mon opinion là-dessus. Après, je ne sais pas ce que vous allez nous dire que Selou a dit. Moi, j'ai mon opinion, et je dirais ce que je pense plus tard, mais vous, en tant que... vous êtes vraiment un bon militant de l'UFDG. Qu'est-ce que vous allez dire sur cette rumeur-là que tout le monde sait, tout le monde est au courant, opposition, opposant, je ne sais pas, tout ce truc-là qui n'a pas beaucoup de sens, une communication. Est-ce que c'est une vieille communication? Est-ce que c'est nouveau? Est-ce que c'est faux? Est-ce que c'est de la manipulation, de la désinformation? Qu'est-ce que c'est exactement? Oui, heureusement, vous dites rumeur et le mot rumeur résume tout parce que les rumeurs, nous le savons tous que ce sont des informations non vérifiées, c'est-à-dire qui ne sont pas fondées au fait. Et voilà, au fait, ce journaliste, je ne sais pas qu'est-ce qui l'a poussé à faire cet article. Parce que ce qui fait mal, c'est du fait que l'article a apparu aujourd'hui, c'est-à-dire le 13. Voilà, le 13 mars 2021. Ça veut dire que pour les lecteurs, c'est du nouveau. Mais voilà que ce n'est même pas lui qui a accordé cet article aux responsables de l'IFDZ. Pour votre information, c'est d'ailleurs Joachim Baba Milmono, l'un des coordinateurs de la cellule de communication de l'IFDZ, qui avait tenu ce message. C'est-à-dire... s'il vous plaît, chassez un âne. Il y a un âne qui est là. Il faut le tabasser avec le bâton. Quand il y a un âne qui est sur la passe, envoyez beaucoup de cœur. Ça ne s'achète pas. Chassez les âmes d'ici. Excusez-moi, s'il vous plaît. Allez-y. Donc, voilà. C'est une affaire de décembre. C'est une affaire de décembre, cette affaire-là. C'est même pas du mois de mars, mais l'entretien que Ela Selou a tenu, c'était au mois de décembre et c'était à la télévision. Évasion, vous connaissez bien cette télévision, hein? Je parle d'Évasion TV. Voilà, c'est là-bas, c'était même pas ni à la radio, ni à, comment on appelle ça, ni sur un site. C'est là-bas,
Et l'entretien aussi, c'était avec le journaliste appelé Mvali Kilavogi, mm-hmm. un journaliste d'Évasion TV. Mm-hmm. C'est là où cet artiste, comment on appelle ça? Ce journaliste du nom de Pateba, mm-hmm. qui est du site Évasion, mm-hmm. Comment on appelle, du site Vision Guinée, je vais dire, tout est Zion, excusez-moi, mm-hmm. Vision Guinée, mm-hmm. qui se permet d'aller prendre cette information de ce côté, venir coller à sa manière. Est-ce que vous comprenez? Oui. Donc, c'est grave, quoi. En fait, c'est mal. Je ne sais pas, il joue pour qui ou qu'est-ce qui les a poussés à le faire. Mm-hmm. Donc, moi, quand j'ai vu ça aujourd'hui, j'étais vraiment perdu dans la terre parce que celui dans aujourd'hui ne veut pas se réclamer comme étant, comment on appelle ça? C'est-à-dire reconnaître sa position d'être l'opposant, l'opposant numéro un. On le sait, on le dit, mais. Dans l'esprit des Guinéens, c'est le président de la République parce que c'est lui qui a été élu par le peuple de Guinée. Même si maintenant, il y a eu des bandits, des vagabonds de la République qui se sont entretenus pour s'imposer par la voie des armes et puis se maintenir à Ceuta, et nous voyons aujourd'hui les conséquences de cela parce que quand vous pensez être légal, mais une légitimité vous manque, sachez que vous n'êtes rien. C'est comme un homme marié légalement devant l'état civil, oui. Voilà. Comme un homme marié devant l'état civil, mm-hmm. tu es là avec ta femme, mm-hmm. tu as tes enfants, mm-hmm. mais tout ce que tu dis, ta femme ne t'écoute pas, tes mm-hmm. enfants ne t'écoutent pas. Donc ça veut dire que tu manques de légitimité. Mm-hmm. Et quand tu n'as pas de légitimité, quelle est l'importance de cette légalité-là? Mm-hmm. Il n'y en a pas. Voilà. Et voilà la situation. Mm-hmm. Donc, Selou est le président de tous les Guinéens. Et ce journaliste qui s'est permis du nom de Pate, parce que j'étais obligé d'appeler l'un des fondateurs de ce site, mm-hmm. quand moi j'ai vu l'information qui est ici aux États-Unis, je l'ai appelé, je l'ai demandé, lui-même il n'était pas informé. Mm-hmm. Mais je lui ai dit d'interpeller ce journaliste du nom de Pateba mm-hmm. pour qu'il rectifie le tir. Mm-hmm. Ce qu'il a écrit, il doit aussi venir démentir, sinon nous allons contribuer à salir ce site-là. Et c'est un site bien suivi, c'est un site crédible, mais lorsqu'on laisse des personnes, des brebis galées, comme un certain Pateba, mm-hmm. venir, c'est-à-dire faire un copier-coller de l'autre côté, c'est-à-dire modifier sa manière, mm-hmm. et pour terminer l'élément de l'IFDZ, mm-hmm. on ne va pas lui laisser. Mm-hmm. Donc, c'est pourquoi, quand j'ai vu, je voulais rentrer en contact avec la CELU, donc j'étais obligé d'appeler un ami, Souleymane Konaté, qui est vice-coordinateur de la cellule de communication de l'IFDZ, mm-hmm. c'est un camarade de promotion, Souleymane Souza Konaté. Mm-hmm. Je l'ai appelé, il a automatiquement appelé le président de la cellule d'Alain Diallo pour l'en parler, pour lui demander est-ce qu'il a tenu un article, est-ce qu'il a tenu une interview aujourd'hui à un journaliste d'Évasion de Vision, mm-hmm. le site. Il a dit non, il n'a jamais fait ça, il n'a pas tenu. Depuis d'ailleurs les récents événements de la Côte d'Ivoire et comment on appelle ça, et du Sénégal, mm-hmm. il n'a pas dit les mots par rapport à ça. Mm-hmm. Donc tout ce qui a été dit dans ce jour sur ce site, mm-hmm. que ce sont des mensonges, il n'est ni de près ni de loin associé à cela. Donc ce sont des anciens articles qu'ils ont pris pour ramener, pour tromper la vigilance des gens. Mm-hmm. C'est vraiment grave. Et ce journaliste, je viens de parler avec Joacim Baba Milmono, le parti d'ailleurs est en train de se préparer pour faire un communiqué pour démentir cette allocation mensongère. Et au-delà, si le site ne rectifie pas par la voix de ce même journaliste qui a fait ce sale boulot, nous serons obligés de porter plainte contre ce journaliste au niveau de la HAC. Et voilà. Oui, tout à fait. C'est très bien. Moi, après, je vais dire ce que j'en pense. Après le bombardement qui se passe en ce moment, bon, moi j'appelle ce déguerpissement bombardement parce qu'on a l'impression que nous sommes en guerre, vu que le Guinéen n'aime pas la guerre civile, ben là il est vraiment en guerre sans armes là. Parce qu'au début, après les élections, ils ont eu des armes un peu partout, barricadées partout, maintenant tout est bombardé, tout est saccagé. Donc tout ce que le Guinéen ne veut pas, qu'il fuit, en fuyant ses responsabilités, en se cachant derrière cela, il le vit actuellement. Qu'est-ce que vous pensez de ce déguerpissement-là, de ce bombardement sauvage-là, comme celui qui le fait, Alpha, le sauvage, le médiocre, l'âme, allons-y.
Beaucoup de fertilité. Merci, Madame Marie. Et avant de toucher ce point, je vais dire à tous les militants et sympathisants de l'UFDZ de rester tranquilles, de rester calmes par rapport à cette sortie de ce journaliste qui cherche à terner l'image de notre président. Et ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas que les gens s'informent avant de réagir. Parce que des milliers de personnes m'ont contacté vraiment pour me dire que mais comment c'est loupé sortir et dire qu'il reconnaît être opposant. C'est un opposant. Toute personne qui n'est pas d'accord avec des mauvaises pratiques dans son pays devient automatiquement opposant, dit opposé à des mauvaises idées, à des mauvaises pratiques dans ton pays. Mais cet article de ce journaliste, que personne ne croit à cela. Maintenant, par rapport à cette question de cette sauvagerie, cette barbarie, cette honte que ce pouvoir est en train de causer aujourd'hui sur les pauvres citoyens, détruire leurs biens, pour je ne sais pour quelle raison. Franchement, je trouve que c'est anormal, c'est triste, mais je me dis aussi quelque part que si un petit groupe d'une dizaine, d'une vingtaine, d'une centaine de personnes réussit à prendre tout un peuple en otage, mais toute une population de plus de 10 millions de personnes dans une bouteille fermée, sans que personne ne bouge, je me dis que ce peuple-là est fautif et ce peuple est complice de tout ce qui arrive. On ne peut pas laisser, vous savez, je l'ai toujours dit, au moment où on cassait Caporal QPD, quand nous on parle, moi je suis tellement fier de mon nom que je ne sais pas ce que je peux vous dire. Parce que je n'ai pas choisi le nom Sow. Je suis né, j'ai trouvé que je suis Sow, originaire de Touré, natif de Massanta. J'en suis fier, j'assume. Mais quand tu parles, parce qu'à ce moment, ce n'était que des peuples qui étaient victimes de cette situation, quand tu parles, tu vois des aveugles, des apatrides dire ah, tu soutiens parce que vous êtes des peuples. Voici le mal aussi de ce pays. Et d'autres Guinéens étaient là, observés, personne ne disait mot. On voyait des victimes, des familles, hein, on venait les déguerpir, détruire leurs biens, là où ils ont vécu durant des années. Les autres, personne ne se bougeait. Personne ne se bougeait. Et Alpha, pour emballer tout ça, pour embobiner l'esprit de certains, il a dit à Koya que lui, si on le laissait passer, c'était à l'horizon aussi des élections, il avait peur, ce qui arrivait à Caporal, ils ont dit parce que pour eux, les gens qu'ils ont détruits là-bas, en majorité, ce n'est que des peuples. Excusez-moi de parler de ces termes-là, mais parce que c'est comme ça que les choses se passent. Et voilà, il vient encore dire, si on a fait ça, c'est pour l'intérêt du pays. Et si vous laissez Sow venir au pouvoir, tout ce qui s'est passé ici, il va se venger. C'est comme si Sow était le candidat des peuples. C'était le candidat de tous les Guinéens. Et tous les Guinéens l'ont prouvé parce qu'ils ont voté pour lui à 53,84%. Là où le bras a blessé, c'est du fait que le même peuple qui a voté pour Sow a refusé de sortir pour protéger cette victoire-là. Parce qu'une semi-apartheid qui s'est permis de modifier les PV, une cour constitutionnelle qui a refusé de prendre nos PV en compte, et pourtant, ces PV-là, c'était les voix du peuple. Ce peuple pouvait se mobiliser pour aller, c'est les responsables de cette cour constitutionnelle. Ils sont tous dans les quartiers, ce n'est pas des personnes cachées. On les intimide, on les met en garde, et leur famille. Si la vérité ne sort pas, vous allez payer. Alpha va s'asseoir là-bas, mais vous serez les premiers à payer. On les laisse tranquilles. Et voilà, tout le monde est dans son coin, on dit non, on a voté pour Sow, celui qui doit faire le reste. Sow n'est qu'un individu sur des milliers d'autres. Donc c'est le peuple qui doit se lever pour défendre. Mais à chaque fois on dit, sortez, c'est Ratoma qui sort, et même Ratoma, c'est pas tout le monde, c'est une petite partie. Et voilà tous ces mal qui s'abattent sur nous. Et Alpha, je reviens sur ça, qui a tenu ses propos, qui a dit si vous laissez Sow devenir président, alors il va... Et vous serez des étrangers sur votre propre terre. C'est-à-dire qu'il parle au sous-sous, au fait. Parce que vous savez, c'est un homme qui est venu avec ce système d'ethnocentrisme. C'est vrai, ça existait, mais c'est pas de la sorte. Parce que moi, je me rappelle, entre le Peul et le Malinké, c'est du Sanankuya. C'est Mathuro Samori, Mathuro Alpha Yaya. Ce que j'ai connu, j'ai trouvé mon papa et ses amis Malinké, c'est chamaillé comme ça. Et moi aussi, avec mes amis Malinké, Konyanké, Thomas, ça a été toujours comme ça. Ça part de 2010 où ce faux clan apatride
et viennent avec leur système d'empoisonnement au palais du peuple, que tout a dégénéré à Siguiri, comment on appelle, à Kouroussa, et cela a impacté vers Mamoun Dalaba, et l'abbé. Et voilà, aujourd'hui, nous sommes dans cette ordre. Maintenant, il faut aussi opposer les sous-sous aux communautés peuples. Il faut jouer à tout cela pour mélanger les Guinéens, pour que eux, ils puissent continuer tranquillement leur sale besoin, leur sale boulot. Et voilà, les gens dont ils disaient qu'ils seront les étrangers sur leur propre terre, parce qu'ils vont les chercher, aujourd'hui, c'est eux-mêmes qui viennent détruire les biens de ces gens-là. Alpha lui-même et son clan. Hein? Lui qui disait qu'il va protéger la basse côte, il va protéger les sous-sous, et ceci, cela, des ethnos comme ça, je veux parler d'Alpha, qui vient créer un système ethnocentriste. Aujourd'hui, c'est lui qui fait pleurer. Combien de maisons ont été détruites aujourd'hui à Kaloum? On peut pas citer. On peut minimiser ces taudis, on dit c'est les taudis, c'est les taudis. Mais moi, je peux pas. Une minute. Quand il y a un homme qui vient ici, il met sa tête de mort d'âme. Envoyez-lui des cœurs. C'est pas payant. C'est gratuit. Envoyez des cœurs aux âmes. Les âmes ne connaissent pas l'amour. Montrez-eux que vous êtes dans l'amour. Vous êtes dans l'harmonie. C'est des haineux. Envoyez des cœurs aux âmes. Il faut les taper et les dégager de cette page. Oh, allons-y. Et je disais aujourd'hui, moi je préfère ma case que l'état de quelqu'un d'autre. Parce que ta case, c'est là où tu peux te coucher. C'est là où tu peux tout faire. Mais tu ne peux pas aller se coucher dans l'état de quelqu'un. Les gens dont on dit qu'ils n'ont rien, c'est des pauvres gens, il faut détruire, il faut démolir ceci, cela. Ils ne se limitent même pas à tout ça, sans indemniser les gens, sans chercher à les recaser, sans chercher à penser comment ils vont vivre après cette situation-là. On détruit tout, on les laisse à la case, à la belle étoile. Mais c'est des apatrides. Alors c'est lui, Alpha, qui disait que si c'est lui sera président, les gens seront des étrangers sur leur propre terre. On a suivi ça. Il était là encore dire des propos graves en Haute-Guinée pour dire que si vous laissez votre fils, alors les autres vont lui détruire ceci, cela. On a suivi tout ça. Est-ce que c'est un tel personnage que la Guinée avait besoin? Non. C'est pour vous dire que cette affaire de démolition des bâtiments devrait être une bonne solution pour les Guinéens de s'en débarrasser d'Alpha Condé. Il y a tellement de frustrés dans ce pays. Tout le monde pouvait se lever. C'est tous ceux qui sont en Guinée. On a toujours dit. Ce sont eux, nous, de l'étranger là. Tout ce qu'on peut actuellement, c'est d'aider sur d'autres voies, sur d'autres plats. Mais pour des manifestations, regardez au Sénégal. Le jeune qu'on a arrêté, Sonko. Hein? Est-ce que c'est Sonko qui a dit aux gens de sortir? Mais lorsque les Sénégalais ont vu une injustice, ils se sont levés tous. Ils sont levés tous. Et Macky Sall, vous avez vu 5 morts, il décrète 2 journées de deuil national. 2 journées de deuil national. Pour dire que l'action s'est passée, mais il regrette. Il sait que c'est les Sénégalais qui sont tombés. Mais il y a plus de 200 jeunes tués par sa police criminelle, c'est l'arrogance qui continue. Madame Sissoko. Où allons-nous avec ces gens-là? Ils n'ont jamais décrété une seule journée de deuil national pour au moins faire croire, même si c'est par le semblant, faire croire aux Guinéens que oui, ils sont des responsables. Hein? Quand on tue un policier, il s'indigne, et on voit les larmes de crocodile, mais on tue plus de 200, 300 jeunes par balle. Et là, ils ne disent rien. Ils disent que c'est les gens qui s'entretuent. Oui. Est-ce que des manifestants peuvent avoir des armes, s'entretuer et laisser ces policiers, gendarmes, criminels qui viennent toujours ôter la vie de ces pauvres gens au nom d'un vieillard qui n'a aucune compétence, qui fait la honte de toute une république? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas, le Guinéen. Il faut qu'on s'élève. Oui. En tant qu'on ne va pas sortir dans cet esprit ethnocentriste, dire que lui, c'est un peuple. Vous, Madame Sissoko, votre nom Sissoko, quand vous parlez du deuxième Alpha, ils vont vous traiter de vendu. Voilà, ils vont dire que vous êtes vendu. Et là aussi, ils vont dire que ah, c'est nous qui payons ces gens-là. Ils me disent que non, c'est un ethno. Mais est-ce qu'il y a un ethno plus qu'Alpha Condé aujourd'hui? Regardez la composition de son gouvernement, de toutes les institutions de la République. Il n'y a pas un ethno plus qu'Alpha. Oui. Mais ils embrassent là, ils font des propagandes pour accuser les autres. Oui. Du ministre,
jusqu'au dernier planton. Mmh. Regardez la composition de ces ministères. Tous les postes stratégiques, c'est des gens dont il dit qu'il se réclame, qu'il est malinqué, bien qu'il est burkinabé. Chose que je vais jamais accepter, Alpha n'est pas malinqué. Les malinqués qui se laissent embobiner dans ça, vraiment, c'est des gens qui doivent aller laver leurs esprits. Je dis, ce sont des âmes qui se laissent embobiner par ces médiocres. Ni sa mère guinéenne, on a dit ça tellement. Son papa était venu servir un colon blanc ici en Guinée. Hein? C'était un cuisinier d'un colon blanc. C'est pas ce que l'autre là, comme Matanira, qui dit que lui, il reconnaît aujourd'hui qu'il a menti, que de dire que la maman de Anfa est soussou. Tandis que c'est faux. Regardez les trucs comme ça. C'est ce que je ne comprends pas, Guinée. Donc, on attend, dans 10 ans, il y aura d'autres vérités sur les élections qui se sont passées maintenant là. Donc, tout cela doit nous faire réfléchir. Il faut qu'on réfléchisse à tout ça. C'est pourquoi je vous dis, les Guinéens doivent se lever pour prendre leur destin en main. Mais madame Soussoukou, reconnaissez que je vous dis, si vous voulez, écrivez et gardez Alpha là et son clan là. Ils n'ont pas de longévité aux affaires. Retenez bien. Retenez bien ce que je vous dis. Retenez très bien. Il faut écrire ça partout. Quand ils écrivent leur connerie là, il faut écrire qu'Alpha n'a pas gagné les élections. C'est lui qui écrit ça. Il faut écrire ça plusieurs fois à ces âmes-là qui refusent de comprendre les choses. Allons-y, excusez-moi. Les cœurs là vont servir de bâton pour les bastonner. Ces âmes ignorent. Donc, ce que je disais aux Guinéens, on doit immobiliser contre ces gens-là. Au fait, il y a trop de victimes sous Alpha Condé. Oui. Les gens qui pensaient être épargnés hier, ce sont eux les vraies victimes aujourd'hui. Oui. Parce qu'il a eu le sale mandat qu'il voudrait, oui. Le troisième bastion. Oui. Mais malheureusement pour lui, ceux qui ignorent, et lui et son gouvernement, ils n'ont pas de longévité au pouvoir. Un bon matin, les Guinéens vont se lever avec des bonnes nouvelles dans ce pays. Mais ce ne serait ni vous, Madame Sissoko, ni moi Tidiane, ni Selou, ni personne, ni aucune personne dont on peut soupçonner qui les feront partir. Ça sera entre deux là-bas. Il y aura une situation confuse, très confuse, et vous allez voir ce qui va se passer. Ce vieillard, s'il ne fait pas attention, il risque très fort. Il le sait. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, il a pris d'amis. En Guinée, il s'est créé tellement de, il a tellement créé des... Tu sais qu'il y a une usine de frustration aujourd'hui en Guinée. Il y a des militaires frustrés, des policiers frustrés, des hommes, ce que vous ne savez pas peut-être, rappelez-vous, au mois d'octobre, imaginez, dans ces trois mois-là, ils ont pris plus de 1100 et quelques jeunes, tous bien pesés, les incorporer au sein de la police nationale. Les CMS que vous voyez, on les a scindés au sein des CMS là. 3 mois, sous prétexte qu'ils vont faire des stages. Les personnes dont on sait venir d'où. On les scinde là-bas, 3 mois après, ça coïncide à l'élection du 18 octobre. Ce sont ces mêmes personnes qu'ils ont dotées des tenues avec des armes de guerre pour aller sur le terrain sous prétexte qu'ils vont maintenir de l'ordre. Alors, s'il y a plus de 50 personnes tuées, pourquoi les hommes peuvent être surpris? Non! Il y a des policiers, des gendarmes, si vous causez avec eux, et même des militaires, vous aurez pitié. Mais moi, je les condamne souvent. Je dis, mais vous êtes des fautifs, vous n'êtes pas républicains. Oui. Vous savez que votre corporation est infiltrée. Il y a des personnes venues d'ailleurs, qu'on donne des tenues, hein? On les donne des armes, ils font des bavures. On m'a toujours dit que c'est la police guinéenne, si vous les dénoncez pas. Donc c'est des militants aveugles. On prend même des gens, imaginez, on les forme en langue soussou. On les forme en langue soussou, des gens qui ne sont même pas des Guinéens, mais on les forme, on les donne une formation rapide en langue soussou pour qu'ils puissent parler la langue soussou. Maintenant comme ça, ils sont au sein de la police, de la gendarmerie, et à 100 fois, c'est les mêmes, c'est ces imbéciles-là qui font du tort aux Guinéens. On pense que ce sont nos frères guinéens qui font ces trucs-là. Mais c'est des personnes vendues.
et les complices sont aussi au sein de ces forces de défense et de sécurité. Oui, c'est vrai. C'est grave. Pourquoi le peuple ne peut pas s'élever? Parce qu'il n'y a pas plus légitime qu'un peuple. Alpha est dans une illégalité. Total. Une illégitimité totale. Donc aujourd'hui, tout ce qui arrive aujourd'hui, même si vous entendez aujourd'hui, il y a un coup d'état contre Alpha Condé, croyez-moi que personne ne va le soutenir. La communauté internationale va faire semblant de condamner, mais les gens qui viendront auront toute la légitimité parce que le peuple va adhérer. Le peuple à 90% va adhérer. Ça, c'est clair. Oui. Voilà, Mme Sissoko, il faut que le peuple se lève. Il faut qu'on arrête. Actuellement, ils sont en train de faire pleurer. Les pauvres gens ont détruit leurs biens. Les hommes ne doivent pas croiser les bras. Tous les Guinéens devraient se lever. On n'a pas de société civile. La société civile de Dansa Kuruma là, qu'on appelle Kunos, c'est pas Kunos, Kinos, je sais quoi. C'est des personnes vendues. La société civile devrait prendre le devant par rapport à toutes ces situations pour sauver les citoyens. Mais ils ne le font pas, c'est des militants déguisés à S. Je ne comprends pas le Guinéen. Il est tellement malhonnête, le Guinéen, que tout ce qu'il arrive des fois, je dis qu'il mérite. En quelque sorte, oui. Et vous voyez, Alpha dit, il s'est préparé encore, qu'après le carême, je ne sais pas s'il veut parler du carême des chrétiens ou s'il veut parler du mois de Ramadan, parce que souvent les gens confondent. Mais il dit après le carême, les gens n'ont qu'à se préparer. Son gouvernement autrement là, ça veut dire que la souffrance va continuer, que les gens n'ont qu'à se préparer parce qu'il va augmenter le prix du carburant. Donc, Alpha donne tellement de pistes aux Guinéens pour lui chercher du pouvoir qui ne l'appartient pas, mais on dit non, on refuse. On refuse, sinon, ça ne va pas vous autres en Guinée. Un kilo de viande à 51 000. Madame Sissoko, 51 000. Avec un père de famille qui n'a que 2 millions de salaires. Le loyer, on te dit 700 000, 800 000. Si tu as des chambres salon aujourd'hui, tu vas payer au moins 1 million. Maintenant, ton salaire, c'est 1 500 000, 2 millions. Tu vas faire quoi? Tu vas faire comment? Mais c'est grave. Voilà la situation, Madame Sissoko. C'est vraiment grave. Voilà. Après moi, la dernière petite question, c'est concernant le doyen à Malpoute également. Parce que moi, la sortie qu'il avait faite, moi, j'avais validé ce qu'il a dit, hein, parce que quand il a parlé de, comment on appelle ça, de génocide et tout, ça commence comme ça, les épurations ethniques commencent comme ça, progressivement, et il y a des silences, il y a un silence coupable, les autres sont là, ils font semblant de ne rien voir, alors ils n'accordent pas de l'importance à la chose. Donc, et puis chacun se dit, bon, je me tais parce que si je parle, on va me faire ci, on va me faire ça. Donc, moi, j'ai complètement validé ce qu'il a dit. Hein. Donc, je ne sais pas ce que toi, tu peux apporter par rapport à cette situation-là pour les gens qui vont voir la vidéo. Oui, vous savez, le cas du doyen Amadou Diallo de Diallo, d'abord, sachez que Amadou Diallo de Diallo, était dans le viseur de ce régime depuis 2012. Depuis 2012, il est dans l'air. Parce que d'abord, imaginez, on suspend son salaire, on le radie. Oui, on le radie de la fonction publique. Oui, Alpha a fait ça. Parce que tout simplement, il dit la vérité. Mais ce qu'ils oublient, le monsieur a bien éduqué ses enfants. Il a des grands-enfants qui vivent à l'étranger, aux États-Unis, au Canada, un peu partout à travers le monde, qui le suffisent largement. Et puis, c'est un fonctionnaire international au niveau de la CAF. Hein? C'est ce qu'ils oublient. C'est qu'il ne vit pas de son salaire de la Guinée, là. 1 million, 2 millions, 3 millions. C'est quoi ça aujourd'hui? Ça donne quoi? Un père de famille en Guinée. Rien. Donc, ils ont fait tout ça, et voilà aujourd'hui, ce qu'il a dit, c'est juste une réalité. Parce que lorsque on voit en Guinée, c'est une réalité, il faut être apatride, il faut être de mauvaise foi pour ne pas reconnaître. Quand on dit par exemple manifestation, si c'est Ratoma, on sait que Ratoma, sur le plan sociologique, regardez comment Conan est composé. Quand vous prenez Ratoma, la plupart des habitants de Ratoma sont des peuples, qu'on le dise ou pas. Quand on prend Kaloum, la plupart c'est des Soussous, qu'on le dise ou pas. Quand on prend Matam, la plupart c'est des Malinké qui sont là-bas, qu'on le dise ou pas. Quand on prend
qui sont, comment on appelle, Matoto, s'est mélangé, mais un grand nombre de Konyanké, qui se trouvent là-bas, maintenant peur et autres là, tout ça. Quand on prend Dixin, c'est le sous-sol et le peul. C'est clair, c'est comme ça qu'on a créé des partagés. Est-ce que vous comprenez? Et les forestiers sont un peu partout. Donc, voilà, sociologiquement, comment les gens sont assis. Parce que quand moi, par exemple, je viens à Conakry, je cherche à aller, c'est mon parent, c'est mon frère. Si alors, mon frère, c'est maman de Diallo, ou maman de Sceaux, on me dit, il est à Bambeto, mon petit sac sera à Bambeto, c'est forcé. Vous, madame Sissoko, si vos parents sont à madame, une fois à Conakry, la première fois où vous irez, c'est vos parents. Donc, voilà comment les gens sont venus à Conakry, et les gens sont installés par ethnie ou par région. Maintenant, on tue, si c'est ratoma, on tue, on dit non, allez-y, c'est les animaux qui sont là-bas. Vous avez vu un commandant là, qui avait dit à l'époque, quand un gendarme avait voulu tirer à Kaloum, il dit non, non, ici, c'est pas la balier, ici, là, c'est pas Bambeto, ça. Ici, on ne tire pas, ne tire pas. Il oublie qu'on lui filmait. Vous imaginez tout ça, c'est grave. C'est très grave. Voilà, Alpha qui vient, qui dit, qui donne la primature à la basse-côte, il donne l'assemblée à la Guinée forestière et la présidence, c'est lui, c'est Assiou Touré. Vous imaginez? Donc, voici la situation, il dit que lui, il est malinqué, ça veut dire que les trois pouvoirs les plus importants du pays, c'est les autres communautés. Alors le peuple, lui, c'est l'opposition. Il faut le tuer. Okay. Ils ont tué Zakaria. Ils ont tenté. Lui, il est tombé. Et à chaque fois, on tuait. Je vois certains apatrides dire que non, les peuples, là, ils aiment trop manifester. On a sorti dans ce débat. Ils aiment trop manifester. Ils ont dit. Voilà. Non, mon frère, laisse-moi reprendre le côté là. Peut-être que le peuple a une vision que les autres n'ont pas. Il faut reconnaître cela. Voilà. Puisque même quand dans les classes de la Guinée, les premiers, c'est qui? Ce sont les peuples. Le dernier de la classe aussi sera un peuple. Quand tu vas dans le bar, le plus grand soulage, c'est un peuple. Quand tu vas à la mosquée, le plus pieux, c'est encore un peuple. Ils sont créés comme ça. Personne ne peut. Maintenant, cela dérange certaines personnes qui sont des fainéants, certaines personnes qui ne se battent pas, certaines personnes qui attendent que ça se passe. Moi, je pense que quand on a une communauté comme ça, on essaie de les comprendre pour savoir ce qui se passe réellement. Mais on le sait très très bien que cette communauté, cette ethnie peut subir une injustice en Guinée. Ça, c'est une réalité, ce n'est pas faux. C'est une vérité. Je vais vous dire quelque chose. Que ça plaise ou pas, il n'y a pas une communauté transversale plus que le peuple. C'est le peuple que tu peux retrouver un peu partout en Guinée. Allez-y aujourd'hui à Kanta. Moi, j'ai eu la chance de connaître la Guinée. Je connais parfaitement la route Guinée, la Guinée forêt. Mais allez-y à Kanta. Allez-y voir l'activité commerciale de Kanta. C'est contrôlé par le peuple. Allez-y à Zérékoré. Allez-y à Masanta. Tout ça, c'est la forêt. Je ne parle même pas maintenant de la passeport ou le Fouta. Là, c'est autre chose. Allez-y à Sigiri. Tout ça, c'est que et partout ils vont. Et puis quand ils vont, ils réalisent, ils construisent, ils considèrent là-bas comme ses œufs. Comment on peut traiter ces gens comme étant un ethno? Un ethno, c'est quelqu'un qui aime sa communauté mais n'aime pas les autres. C'est lui qu'on appelle un ethno. Mais moi, par exemple, Il n'y a pas plus ethno que Alpha. Regardez ses nominations. Regardez bien ses nominations. Il vient, il dit qu'il reprend la chambre du commerce dans les mains de ceux-là qui étaient là. Parce que il suppose que ces gens-là soutenaient ces Loulalek. Aujourd'hui, il détruit les biens de Ousmane sans loi, Elaz Ousmane, qui est de la coordination Halipoula. Il pense que c'est à ce monsieur qu'il est en train de faire du mal. Ce monsieur a bien formé ses enfants. Ses enfants ont pris les relais de toutes ses activités. Aujourd'hui, c'est l'un des grands hommes d'affaires au Sénégal, au Libéria, en Sierra Leone. Il a des business dans tout ça. Ses enfants sont en train de gérer. Le vieux ne fait que manger aussi
actuellement, ne fait que manger, prier, prier Dieu et puis venir pour en tout cas, aider les pauvres gens. À Kindia, vous avez vu ce qu'ils ont fait. Plus de 1000 personnes. À cause d'une personne sous prétexte qui lui soutient ses moutons. Mais c'est grave. Alpha, si vous dites c'est un danger, Madame Sissoko, vous n'êtes pas trop habillé. C'est très grave. Mais moi, je pense que si une personne n'a pas d'importance, on ne s'acharne pas sur la personne. Voilà, c'est ça la vérité. Vous savez, moi, je reconnais les choses telles qu'elles sont. Moi, je pense que l'ethnie peuple ne connaît pas sa valeur. L'ethnie peuple ne connaît pas sa force. Quand tu ne connais pas ta force, quand tu veux te rendre compte de ta force, il faut voir les ennemis que tu as. Quand tu vois beaucoup d'ennemis, même une personne, tu peux être dans une famille, hein. Il y a des gens qui sont tellement forts que leurs propres parents ne les aiment pas. C'est très rare. Et on se dit que non, toi, personne ne t'aime. Tes soeurs ne t'aiment pas, tes frères, toi, personne ne t'aime. Mais quand tu demandes à ces membres de la famille, tu ne vas rien faire de mal. Mais dans l'avenir, plus tard, c'est toi qui vas faire connaître cette famille. C'est toi qui mises cette famille. C'est toi qui sauves cette famille. Donc, le idéal et les gens qui pensent cela, comme ce qui s'est passé pendant ces élections, c'est l'occasion. Tout le monde sait que Dalaï a gagné. Moi-même aujourd'hui, quelqu'un m'a dit ça, oh, qu'on dit que ah, Mary Sissoko, maintenant, Dalaï lui a donné de l'argent. J'ai dit, c'est très, très bien. C'est normal. Parce que les gens qui mentent, on les paye. Donc, quand tu dis la vérité, forcément, on te paye. J'ai dit, mais c'est bien. C'est une très bonne chose. Vous pensez que moi, j'ai le temps là. Je dis, toi qui dis ça, Dalaï, il a gagné, oui ou non. Il m'a dit, mais il a gagné, tout le monde le sait. J'ai dit, ah bon. Donc, ça sera comme ça. Être. Témoin de cela, ne rien dire, ne rien faire, cela est normal. Ce n'est pas normal. On n'a pas besoin de payer quelqu'un pour donner tes opinions. Ça veut dire que je ne comprends pas en Guinée. Même pour voter, il faut qu'on te paye. Pour une campagne électorale, il faut qu'on te paye. C'est pourquoi je dis que c'est Satan qui domine la Guinée. C'est Satan qui domine la Guinée. Moi, je ne comprends pas que pour dire quelque chose ou pour défendre une cause qui est vraie, parce que c'est la vérité, on sait que ce monsieur a gagné, tout le monde le sait, ce n'est pas caché. Quand les gens, moi, m'appellent, essayent de me convaincre, quand on tiraille sur le sujet, quand ils voient qu'ils ne peuvent pas me convaincre, au final, ils disent, oui, c'est là, tu sais, il a gagné, mais c'est pas évident, c'est pas facile. Je dis, ok, moi, c'est que je veux savoir s'il a gagné, lui ou non. C'est tout ce que je veux savoir. Maintenant, donc, comment le pourquoi, comment l'histoire là va finir, ça, c'est pas mon problème. Maintenant, je dis souvent aux gens que vous, vous ne voulez pas Alpha. Vous ne voulez pas Dalaï. Moi, je ne voulais pas des deux là. Mais vu la situation aujourd'hui, si je vais avec Alpha, j'affaiblis Dalaï. Si je vais avec Dalaï, j'affaiblis Alpha. Mais je fais mon choix, puisque une chose est claire, c'est que ce que Alpha n'a pas fait en 10 ans, il ne va pas le faire en 6 ans. Ça, c'est clair. Une chose est claire, ce monsieur ne tient pas ses promesses. Mais comment voulez-vous qu'on traite avec quelqu'un qui ment sans arrêt, non-stop? Lui-même, il est un mensonge. Alpha même, c'est une fabrication. Vous voulez que je fasse quoi avec quelqu'un comme Alpha? Donc, il y a tous ces facteurs là que les gens doivent voir, c'est ça. Il faut être sérieux. Le Guinéen doit être sérieux pour qu'on lui accorde de l'importance. Excusez-moi, mon frère, si vous voyez aujourd'hui, quand ça s'arrête, il dit certaines choses. Mon frère, quelqu'un ment, il te ment. Vous vous mentez. Il sait que tu sais qu'il ment. Il sait que tu es au courant de son mensonge, tu soutiens cela, mais il ne te respectera jamais. Il ne va jamais te respecter. C'est pourquoi les Alpha ne respectent pas les Guinéens. Je suis désolée de dire ça. Oh, le Guinéen n'a pas honte. Oh, le Guinéen est tortue. Il est... Mais à vous, c'est tout au niveau interne. Notre façon de se comporter qui fait qu'Alpha ne le respecte pas. Ça, ce n'est même pas une question d'ethnie. C'est comme ça. C'est comme ça. Mais regardez comment les gens se comportent. Comment on peut payer quelqu'un pour voter? Comment on peut payer quelqu'un pour adhérer? Comment on peut payer quelqu'un, même un imam, pour camoufler les résultats d'une élection? Moi, je m'assois ici, je parle, vous dites qu'on m'a payé. Mais si on paye un imam, et moi aussi, on peut me payer, pourquoi pas? Mais la vérité va sortir. On va... Moi, je suis très patiente et très téméraire. Je vous avais dit au RPG, je dis la fin du troisième mandat. Là. On va. Je vous suis là-bas. Donc, on est ici. Je vous redonne la parole. Après, nous, on va continuer. Ok. Madame Sissoko, je vais encore répéter ce que j'ai dit. Mm-hmm. Les Guinéens n'ont qu'à s'apprêter mm-hmm. parce qu'Alpha et son clan vont dégager bientôt. Mm-hmm. Ils vont dégager. Mm-hmm. Ils vont dégager. Parce que vous savez,
Les gens vont se poser la question comment et pourquoi. Mm-hmm. Comment cela pourra se faire. Mm-hmm. Vous savez, les pères aiment dire souvent, porte-porte par la gimbal. Recule, c'est jusqu'au niveau du mur. Quand tu arrives là-bas, tu seras obligé de résister. Soit tu résistes, ou tu laisses celui qui te fonce finir avec toi. Oui. Aujourd'hui, ils ont tellement créé des pauvres dans notre pays, ils ont tellement créé des frustrés dans notre pays, qu'aucune institution de la Guinée aujourd'hui n'est stable. Imaginez que vous parlez avec des cadres qui sont avec Alpha aujourd'hui, ils te disent, ah non, c'est que ça ne va pas, mais bon, comme on est en train de profiter, voilà, ça va. Ça va, mais un jour, vous allez entendre, c'est les voisins même de ces ministres, de ces cadres-là, qui vont se lever contre eux pour les pourchasser dans les quartiers. Il va tomber. Et ça sera sous peu de temps. Il va tomber. Vous aviez encore les problèmes de narcotrafiquants là. Donc, il y a un lobby international qui se prépare encore contre Alpha. Parce qu'ils ont touché un point aussi très sensible. En fait, de cocaïne, on ne blague pas avec eux. Il faut éviter qu'ils rentrent dans ton pays. Mais s'ils rentrent, tu cherches à les combattre, ils vont te combattre et tu vas tomber. Donc, rassurez-vous que le peuple ne doit pas croiser les bras. Le peuple doit se lever. Aujourd'hui, il y a trop de personnes. Parce qu'ils ont presque fini encore de revendre tout aux Chinois. Ils ont revendu tout aux Turcs. Toutes les portions de terre qu'Alpha disait que c'est que les sous-sous allaient être des étrangers sur eux. Aujourd'hui, c'est lui-même qui est en train de les revendre aux étrangers. Et ces étrangers-là, c'est eux qui sont bêtes. Parce qu'après Alpha Condé, tout sera rétabli. Tout, affaire de caporal, affaire de quoi. Tout bête qui va prendre son argent, donner à Alpha et ces clans-là, doit savoir qu'ils ont. Parce qu'ils ne sont ni légaux, ni légitimes. Donc, pour terminer, le cas de Doyen Amadou Diallo, je demande à ses confrères journalistes, certains journalistes, d'arrêter la lâcheté. Ils doivent arrêter la lâcheté. Parce qu'aujourd'hui, ce Doyen, il a beaucoup fait pour son pays. Mais parce qu'il dit une vérité, pas de génocide. C'est vrai, lorsque Alpha chassant contre l'ethnie Peul, c'est pas caché. Moi, je l'ai tout plus une fois dit. C'est pas caché. Et vous savez, leurs arguments, c'est quoi? C'est de dire souvent, non. Et on dit qu'Alpha n'aime pas le peuple, pourtant sa femme est Peul. Oui, la femme peut être Peul pour des intérêts. Imaginez, je vais vous faire cette révélation qui m'a trop choqué. Un monsieur m'a une fois dit, on blaguait d'une connaissance. Il m'a dit, je lui ai dit, mais toi tu aimes trop saboter le Peul et pourtant tu es marié à une femme Peul. Vous savez ce qu'il m'a répondu? Il m'a dit carrément, oui, je me suis marié à une femme Peul parce que je veux des beaux enfants et puis je veux des enfants de la baraka. Ça m'a choqué. J'ai dit, mais ah bon? J'ai dit, ça veut dire que lorsqu'elle sera vieille, tu vas la piétiner. Ah, mon frère. Moi, je ne cherche que des enfants avec la femme. Point barre. Voilà. Moi, je vais rajouter, si tu as un peu de temps, je vais rajouter un peu de cela. Vous savez, quelquefois, les gens disent ça, même chez les Blancs. Par exemple, en France, ici, quand tu dis à quelqu'un que tu es raciste, il dit, non, ma femme, elle est noire. Oh, mon mari, il est noir. On aime le noir qui nous intéresse. On aime le peuple qui nous intéresse. On aime le maléfique qui nous intéresse. Ce n'est pas parce qu'on est avec un tel qu'on aime toute la communauté. Ça n'a rien à voir. De deux, le fait qu'il parle de beaux enfants, c'est une question d'âme. C'est une question d'âme. Ce sont des enfants, moi je viens de ce genre de village, ce sont des enfants très intelligents. Oui. Mais la mission de la femme Peul, je voulais faire une vidéo là-dessus. La mission de la femme Peul, c'est l'islam. La femme doit se lever la nuit pour prier pour son mari. On peut convertir quelqu'un et changer ses habitudes par la prière. Moi, je vais essayer cette pratique et ça marche. Mais quand les femmes peuvent arriver, elles le font autre chose. Elles oublient leur mission. Sinon, c'est très simple. C'est très facile. Ce que je vous dis là, moi, je viens de ce mélange. Et moi, j'ai essayé cette pratique. Oui, et ça marche. Donc, le fait de dire qu'ils veulent de beaux enfants, ce n'est pas la beauté physique. Non. Si vous avez des cousins et des cousines qui viennent de ce mélange peu malinqué, ils ont une faculté mentale un peu plus élevée que les autres. Oui, ils sont beaucoup plus chanceux, un peu plus que les autres. C'est tout. Donc,
Si tu arrives à faire des enfants avec une femme et te dire que quand tu reviens, tu vas la laisser, mais c'est parce que la dame là n'a pas fait ce qu'elle devait faire, c'est tout. Moi, je pense que nos sœurs, du côté de l'islam, c'est pourquoi on dit que quelle que soit ta religion, quand tu dois épouser une musulmane, tu changes de religion. Mais les gens ne le font pas correctement. Faire changer quelqu'un de religion, amener quelqu'un à la religion, tu peux le faire même dans la prière. Faire mettre le voile à quelqu'un, tu peux le faire même dans la prière. Il y a des noms de Dieu qui font que tu ramènes Dieu vers la vie de la personne, que tu sortes la personne des ténèbres. C'est ce qu'ils ne font pas. Voilà, c'est tout. Donc, vu que les femmes ont échoué de ce côté-là, elles ont échoué leur mission, si vous voyez tout ce bazar qui se passe aujourd'hui, Alpha Condé, c'est un mécréant. Alpha Condé, c'est un satanique, il est dans tous les grands groupes du monde. Mais Alpha Condé, ce sont les femmes peules qui l'ont fabriqué. Alpha Condé avec des amis peules. Mais les peules, là, est-ce qu'ils ont amené Alpha à l'islam? Eux, ils vont aller prier, Alpha ne prie pas. Vous voyez ce que je vais dire? Donc, imaginez, voilà. Imaginez, M. Joko. Mm-hmm. Alpha, ses vrais amis, c'est des peuples. Mm-hmm. Vous comprenez? Oui. Jusqu'à présent, il a des peuples dont les hommes ils ne connaissent pas. Hein. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas affichés. Mm-hmm. Mais il n'a jamais nommé l'un de ses amis-là à un poste stratégique en Guinée. Mm-hmm. Jamais. Mm-hmm. Il le prend, il le nomme comme conseiller. Je ne vais pas dire le nom de quelqu'un ici. Mm-hmm. Ils ont nombré ses amis. Mm-hmm. Ils ont fait quelque chose. Mm-hmm. Des femmes. Parce qu'en fait, je me demande, même actuellement là, je vais vous le dire clairement, regardez à l'étranger. Parce que c'est une réalité, que ce soit en France, aux États-Unis ici, en Belgique, un peu partout, quand ils choisissent d'une cause commune pour notre pays, regardez, c'est la communauté peule qui est là en majorité. C'est une réalité. C'est pas caché. Que ce soit pour les droits de l'homme, il y a toutes les communautés, c'est vrai. Mais c'est elle qui est là. C'est elle qui est là. Ça veut dire que. Ça veut dire qu'actuellement, tous ceux qui défendent aujourd'hui la vérité en Guinée, il y a toutes les communautés, mais demain, si quelqu'un venait au pouvoir, nous sommes tous partants. Mais là, si ce dernier fait devient fautif, alors elle considère contre la personne, on ne peut pas aussi nous traiter d'être non. Parce que nous voulons tous que les sœurs puissent marcher dans notre pays. Alors, c'est pour juste appuyer ce que vous avez dit. Alpha, c'est un vrai ethno. Mm-hmm. Il déteste les gens. Il déteste les communautés. Mm-hmm. S'il t'approche en tant qu'une autre communauté, dis-toi, il va t'utiliser. Voilà. Même les cas de soucis qui sont avec lui. Voilà. Il va les utiliser pour ses intérêts personnels. Voilà. Je voulais parler de ça. Si on parle ethniquement, moi je pense que Alpha, c'est pas qu'il déteste le peuple. C'est pas le plus. Mais c'est parce que lui et les peuples se connaissent très bien. Ils savent que ce sont les lanceurs d'alarme. Ils savent qu'ils ne peuvent pas dribbler le peuple. Tu vois? Sinon, à la base, ce sont les soussous que Alpha déteste. Alpha a dit ouvertement que ce sont les soussous qui l'ont bloqué depuis toutes ces années pour ne pas arriver au pouvoir. Et qu'est-ce que Alpha n'a pas fait comme combat avec, comment il s'appelle? Feu général dans sa côté. Et brusquement, tout ce qui était autour de celui-là, sont devenus amis avec Alpha aujourd'hui, mon frère. Mais à la base, qui est-ce qui a détruit la vie politique le plus, ethniquement, puisque tous les partis politiques ont des bases ethniques. Mais quand on voit aujourd'hui, ce sont les sous-sous qui n'ont pas d'élite politique. Alpha les a tous détruits. Il les a tous détruits. Je pense que c'est ce qui l'énerve chez Daniel, parce qu'il a couvert. C'est le seul qui riposte, c'est le seul qui résiste. C'est ce que j'ai dit aux gens. J'ai dit, il faut laisser cette histoire d'ethnie. Qui riposte face à Alpha? Il faut être réaliste. Qui riposte? Mais personne. La seule personne qui riposte, c'est Daniel. C'est pas quelqu'un d'autre. Et aujourd'hui, je vais revenir, si vous avez un peu de temps, le fait de cette opposition, ce qu'ils ont dit. Je n'ai pas trop compris. Je ne me suis pas trop intéressée parce que je me suis dit que ça n'a pas de sens. Daniel est opposé à Alpha. Alpha est opposé à Daniel. Ceux qui partagent les vidéos que je fais là sont opposés à Alpha, mais ils ne sont pas présidents de parti ou opposants, mais ils sont opposés, c'est des opposants. Moi, je suis opposée au système de Alpha, je suis une opposante. Même vous qui commentez là, les âmes qui envoient des têtes de mort, les âmes sont opposées à moi, c'est des opposants à ce que je fais. C'est le français. Ils sont rivaux, c'est la rivalité politique, ce sont des adversaires politiques. Alpha et Daniel sont adversaires politiques. Alpha est adversaire de Daniel. Daniel est adversaire de Alpha.
Même dans les commentaires, là, vous vous insultez. Si vous êtes des adversaires politiques, si c'est une vidéo politique. Moi, comme je suis habillée là, je suis adversaire dans la vie, je suis opposante dans la vie. Elles sont opposées à moi, celles qui ont des faux cheveux et celles qui sont dénudées. C'est ça l'opposition. Mais le Guinée dans sa tête, dès qu'on dit opposition, lui, il pense que c'est forcément la politique. Oh, c'est lui qui est au pouvoir. Tu peux être au pouvoir. Celui qui n'est pas au pouvoir, tu es opposé à lui. Puisque vos idéaux ne concordent pas, puisque ce que tu fais aujourd'hui, elle est toujours opposée à ce que Alpha fait. Puisqu'il refuse de libérer la place, il refuse de reconnaître la vérité. C'est cela. Et puis, il faut que ce soit clair dans la tête des gens. Pourquoi tous les faits et gestes de Dan sont sculptés? Tous ces faits et gestes sont décryptés. Pourquoi? Pour reconnaître cette force victoire. Est-ce que vous avez besoin de ça si vous avez gagné? Si vous avez gagné, laissez le monsieur là tranquille. Vous êtes en Zéboutiré. Alpha est déjà là-bas depuis 10 ans. C'est lui qui habite en Zéboutiré. C'est lui qui ne veut pas s'en passer. C'est lui qui a l'intention de mourir là-bas. Donc, c'est lui qui a des problèmes. C'est lui qui a tous les gangs autour, tous les gangs ethniques. Tous les clans ethniques. Chaque ethnie a son clan autour de lui et a son clan armé. Donc, c'est Alpha qui a des problèmes. C'est lui qui est inquiet. C'est lui qui a tout bricolé, tout mélangé, tout manigancé. Il ne sait même pas comment en sortir. Donc, arrêtez vos âneries, arrêtez de vouloir fatiguer les gens. Hier, mon frère, excuse-moi, hier, moi, j'ai dit ici, nous allons essayer, nous allons le faire, mettre en place un truc pour reconnaître la victoire de l'Algérie. C'est ce qu'on veut. Ce n'est pas autre chose. Ce n'est pas la réconciliation, ce n'est pas, je ne sais pas, tous ceux qui sont en train de vivre là. Ça, c'est leur problème à eux. Tu ne peux pas laisser un voleur s'asseoir. Comme ce que la Guinée en colère a dit hier, tendre la main, oui, en tendant la main, tu tends l'autre main aussi pour rendre ce que tu as voulu. C'est très simple. Donc, si nous, on a quelque chose à demander aujourd'hui, c'est ce que la Guinée en colère a dit, mais ça c'est très bien, ce qu'il veut là, c'est une bonne idée. Mais quand il tend la main pour la réconciliation, il y a l'autre main aussi, il n'a qu'à attendre pour rendre ce qu'il a voulu. Pour se réconcilier, il faut accepter la vérité. C'est ça la réconciliation, c'est ça la vérité. La réconciliation, c'est la vérité. La vérité, c'est la réconciliation. Comment vous pouvez monter des trucs sur un mensonge? Les imams sont dedans. Les ministres, les anciens ministres, les nouveaux, Mais attends, c'est quoi ce bazar? C'est quoi ce désordre? Où est-ce qu'on va aller avec ça? Le monsieur, il a gagné. C'est pas la première fois qu'il gagne. Vous le bloquez. Et ce qui m'énerve, on ne le bloque pas, hein, parce que c'est dans l'air qu'on bloque. Mais on bloque le peuple. Mais pourquoi vous bloquez le peuple? Et si notre bonheur est là-bas? Vous savez ça? Si votre bonheur est là, puisque c'est des gens, tout ce qu'ils font, tout ce qu'ils font, ils le réussissent. Donc, moi, je vais essayer le peu. Moi, je vais même essayer le peu parce que vous, vous ne voulez pas. Quand je vois une catégorie de personnes, comme ceux qui sont autour de Alpha, qui étaient avec Conte, ceux qu'eux ne veulent pas, c'est ce que moi, je vais vouloir. Parce que si tu vois qu'eux, ils sont contre quelque chose, c'est que cette chose est bien. Quand ils sont avec quelque chose, c'est que la chose est pourrie, comme Alpha. Alpha, c'est une pourriture. Alpha est pourri de pas. Ce gars-là n'a rien dans la tête. C'est-à-dire, quand je regarde Alpha, je dis, mais à quel moment lui, il est devenu président en Guinée? Moi-même, je m'assois, je dis, je ne comprends pas. Les gens qui sont aveuglés et attachés, je ne sais pas ce que Alpha a fait comme boulot. Je ne sais pas quelle sorcellerie il vous a fait. Je prie pour vous. Que Dieu vous sorte de ces ténèbres-là. Les homosexuels, un gouvernement d'homosexuels, ils font que coucher entre eux. Bientôt, vos garçons vont commencer à se marier entre eux. Déjà que les filles, vous ne trouvez pas de mari, il faut les suivre. Vas-y. Madame Soko, vous savez que je vous ai dit que les Guinéens n'ont qu'à s'attendre à des surprises bientôt. Vous savez qu'ils sont dans cette affaire de charlatans, cette affaire de Gina, cette affaire de sorcellerie, c'est-à-dire de sacrifices passés. C'est tout ce qui va les lâcher bientôt. Et là, les Guinéens vont retrouver leurs esprits. Ils vont savoir qu'ils étaient tous embobinés. Ils vont savoir qu'ils étaient, comment on appelle ça en français, envoûtés. Ils vont comprendre qu'ils étaient tous envoûtés. Vous savez, quand tu envoûtes une femme pour qu'elle puisse t'aimer, à ce moment-là, elle est là même si quand il a dit monte, elle monte. Oui. Ça, elle descend. Oui. Mais le jour où ça va la laisser, tu fais pas attention, il va te tuer, elle va te tuer. Oui. C'est tout comme les femmes aussi qui envoûtent les hommes. Mm-hmm. Alors, actuellement, il y a des Guinéens qui sont envoûtés. Mm-hmm. On connaît tout. Mm-hmm. Les sacrifices par-ci, par-là, on brûle même des bœufs. Vifs, des bœufs.
On les prend, on les met dans le feu, comme ça. Voilà, tout ça, c'est pour fermer les bouches. C'est pourquoi moi, dans ma famille, c'est toujours au Koya, on boit. C'est interdit de boire l'eau du robinet. Même si j'ai pas d'argent, je prends un crédit, j'envoie. Mais l'eau du robinet, n'achetez pas. Ne buvez pas, en fait. Parce qu'on ne sait pas, ces gens-là, ils sont capables de tout. Mais tout ça se va les lâcher bientôt. Et vous allez voir l'histoire qui va se passer en Guinée. Je pense que Dieu ne va pas nous oublier. Nos imams, nos prêtres, les hommes de bonne foi, les Kramoko. Je ne parle pas des Kramoko qui violent aussi des mineurs. Hein. Leur bénédiction, là, ça ne marche pas. Est-ce que vous comprenez? Mais des personnes qui sont saines, je les demande de continuer à prier Dieu et que Dieu déboute tous ses ennemis de la République hors de nos frontières. Amen. Et penser que ça va aller dans ce pays. C'est vrai, on a trop souffert, mais croyez-moi que ça va marcher. Pour terminer avec vous, Madame Sissoko, je vais juste placer ces deux mots-là. Le premier, toujours le doyen Amadou Diallo Diallo. Je vais dire à tous ses confrères, journalistes, sortez, mobilisez-vous, défendez ces doyens. Il est victime de ses vérités aujourd'hui. On est dans un pays de malhonnêtes, on est dans un pays des personnes qui c'est-à-dire qui n'aiment pas du tout la vérité. Quand tu dis la vérité, tu deviens l'homme à être, c'est-à-dire à abattre. Et pourtant, les autres sont là-bas, il y a des gens qui ont tenu des propos plus graves que le doyen Amadou Diallo Diallo, qui sont avec les Baïdi, les Kassouri, qui montent, qui descendent. Regardez ce fanfaron. Un fanfaron du nom de chien Kassan. Hein? Qui dit carrément qu'ils vont récupérer les terres, c'est pas de leurs grands-pères. Et puis qui mettent du feu dans les champs des Andes, des hectares. Des personnes en basse côte. Mais matin, midi, soir, ils sont avec Alpha, ils sont avec Kassouri, ils sont avec ceci, cela. Il y a des jeunes qui insultent père et mère de la soldat Ngalo. Qui sont là-bas. Ça, c'est quel genre de pays? Quel doyen qui dit qu'on veut créer des génocides? La communauté peut être victime. C'est une réalité. On n'a jamais entendu parler de Rwandais, de Foulasso, avant que Alpha Condé n'arrive. Ça existe, on sait, mais cette histoire est déjà bannie. Quelqu'un qui se dit peur 100% aujourd'hui, couche à la maison, refuse de travailler, et tu vas voir si c'est un autre qui viendra faire les travaux à ta place. Tu te dis peur, tu refuses d'apprendre le courant. Dans une mosquée de l'abbé, couche-toi pour voir si c'est pas celui dont toi tu appelles Kamara Kouyaté qui viendra te faire prier dans la mosquée ou prêter le serment. Aujourd'hui, on a besoin que des hommes valables, des personnes capables qui peuvent faire avancer notre société. Donc, Amadou Diallo Diallo, nous le soutenons, prendre établissement à lui, tous ces prisonniers, que ce soit politiques ou prisonniers les prisonniers sociaux, nous pensons à eux qui chassent que bientôt ils seront. Ils vont recouvrir leur liberté parce que ce pouvoir-là est trop affaibli et bientôt il va chuter. Oui. Aussi, Madame Sissoko, je veux dire aux Guinéens de sortir dans cet esprit d'infériorité. Vous savez, on a un problème en politique. Moi, par exemple, je suis un homme politique. Mais à chaque fois, quand par exemple je parle, je dis peur, malinqué, oh non, on ne doit pas mettre ça dans le débat, laissons tomber affaire d'ethnie. Et pourtant, c'est une réalité du pays, il faut mettre le doigt sur la plaie. C'est de l'hypocrisie. On fait du mal à un peur, je ne veux pas dire aux Guinéens. On fait du mal à un sousou, je vais dire que c'est des sousous. Hein? Imaginez-vous, vous êtes en France, vous pensez que vous allez gagner un passeport ou même vos enfants, si vous avez des enfants qui sont nés en France. Hein? On va les appeler français, mais quand vos enfants rencontrent tout de suite un autre français ou une autre personne, quand on lui demande quel est ton nom, il va dire son nom. Après, ils vont lui demander tu viens d'où. Hein? Oui. Ça veut dire que, mais quelle que soit ta couleur, quelle que soit ta façon, ils vont toujours essayer de ressortir. Aux États-Unis ici, on toujours les blancs, ils disent Black America. Oui. Black America people. Les gens noirs, white American people, les personnes blanches, est-ce que vous comprenez? Moi, par exemple, quand je rencontre des amis, on me dit toujours, where are you from, tu viens d'où? Oui. Quand je dis Africa, on me dit encore quelle partie de l'Afrique. Oui. Donc, ça veut dire que même si j'ai le passeport américain aujourd'hui et que mes enfants ont tout ici, ils vont toujours ressortir leurs origines. Alors, pourquoi nous, on se complexe de dire que je suis peul? Alors, je défends un peul qui est victime. Ce qui est grave, vous êtes malinqué ou sousou, vous êtes sousou. Vous voyez un peu victime. Ne cherchez pas à demander
ne cherchez pas à demander il est de quelle ethnie. Défendez la personne. Oui. Mais le problème, c'est où? C'est si moi, par exemple, je ne défends que le peuple, je vois un malinqué, je me mets à rire. Oui. Dans le danger. C'est ce qu'on appelle l'ethnocentrisme. Oui. C'est que je deviens bien ethno. Mais si la communauté est victime, je défends ma communauté, c'est mon droit. Oui. Maintenant, que je sois policier, gendarme, que je sois de la mouvance, de l'opposition, journaliste ou je ne sais qui, médecin, quand je vois l'injustice, je dois condamner et je dois dénoncer. Mm-hmm. Voilà. Donc, on doit sortir dans ce système d'infériorité. Mm-hmm. Et merci de m'avoir invité sur votre page. Les sorciers n'ont pas voulu qu'ils apparaissent devant l'écran. Mais quand cela ne tient, on a passé notre émission. Mm-hmm. Ils ont bien. Je pense que le son, ça marche bien. Quoi. En tout cas, ils ne se sont pas plaints pour, le son. Donc, je pense qu'ils ont bien capté. Vraiment. Merci vraiment. C'est un plaisir pour moi. Je vous aide et que Dieu vous protège. À très bientôt. Inch'Allah. Merci. Voilà. Donc, voilà en gros. C'était Tidiane la puissance. Et. Yata la radi. Ça va, comment? Ce qu'il a dit, moi je suis d'accord avec lui. Il faut qu'on essaie de mettre toutes ces histoires ethniques là du côté. À part le côté ethnique, on va toujours revenir sur cette victoire-là. Vous voyez, hier, on a parlé de ça ici. Le matin, il sort un truc, un ancien truc. Donc, il faut faire beaucoup attention. Il ne faut pas rester sur les émotions. Voilà, celui qui a écrit l'Alpha n'a pas gagné. Il faut écrire ça 50 000 fois. Il n'a pas gagné. C'est vrai, il n'a pas gagné. Il n'a pas du tout gagné. Parce que la preuve, dès qu'il y a un petit truc, tout de suite, il faut que vous soyez moins, c'est-à-dire dans l'émotion. Arrêtez cela. Soyez en sûr. Là où vous êtes, soyez sur cela. Quand il y a une information, vous essayez de vérifier. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Le comment, le pourquoi? Il ne faut pas se jeter sur des trucs comme ça. Vous voyez, les journalistes sont là, ils disent tout et n'importe quoi. Même vous pouvez cliquer partager une de mes anciennes vidéos et on pense qu'elle a été faite aujourd'hui, tandis que c'est une vidéo d'une semaine, de deux mois ou d'un an ou de. Mais on regarde la vidéo de Alpha aujourd'hui, là où il racontait ses fausses promesses et tout. Donc, c'est tout à fait logique, c'est des vidéos de 10 ans ou plus. Donc, un journaliste peut cliquer sur un truc, quoi qu'il en soit, parce qu'il paraît que c'est un faux truc. Et même si c'était vrai, je pense que si. Si il veut, le jour que Dalin veut reconnaître quelque chose, il aura sa façon. Il aura sa façon de, comment on appelle ça, de communiquer. Ce n'est pas par cette méthode-là qu'on communique ce genre de choses. Ça, au moins, c'est clair. Il y a une méthode pour le faire. Une méthode officielle et officieuse, une méthode légale de le faire. Ça m'étonnerait, Dalin ne reconnaîtra jamais cette victoire parce que ce n'est pas une victoire. C'est valider un mensonge. Et je pense qu'il a déjà validé une fois un mensonge à cause de la paix, à cause de la stabilité. On n'a pas eu la paix, on n'a pas eu la stabilité. Parce que le Guinéen pense que la Guinée est en paix. Non. C'est quoi la paix? La paix, c'est d'abord avoir la paix du cœur. C'est cela déjà, la paix. Mais les Guinéens pensent que la paix, c'est les armes. Que la guerre, c'est les armes. Non. Mais regardez la Guinée. La Guinée ressemble à un pays en guerre. Moi, je vous dis que Dieu communique avec nous tous les jours. Le Guinéen ne veut pas comprendre la communication de Dieu. Tout ce qu'on a, on essaie de fuir, en fuyant nos responsabilités, Dieu nous le met en face. La Guinée, je vous ai toujours dit, ressemble à un pays qui a guerre à cause de la santé, à cause du désordre. Maintenant, après les élections, avant et après, c'était militarisé. Maintenant, c'est le bombardement. Donc, on a tous les ingrédients d'une guerre. Mais on ne va pas citer la Guinée dans les pays qui sont en guerre. Mais on a tous les ingrédients. Et tous les pays autour, on se vante de cela. Eux, ils ont connu la guerre, on n'a pas connu la guerre. Je vous l'ai dit, les Guinéens, mais qu'est-ce qu'on a de mieux qu'eux? Leur argument, le retard de leur argument, ceux qui sont en retard, ils peuvent prendre la guerre civile là, comme argument. Mais la Guinée a quoi comme argument pour son retard? Qu'est-ce que la Guinée a comme argument? Avec son faux pauvre soeur, le porosseur des armes,
qu'est-ce qu'il a apporté concrètement sur 10 ans, sur un combat de 40 et quelques années? Regardez les résultats. Est-ce que les résultats concordent au combat? Je vous ai dit, c'est un combat de torture. Son combat politique était très lent pour un résultat de torture aussi très lent. Donc, si à ce moment-là, il y a eu un vote et que quelqu'un d'autre a gagné, je pense que un être humain qui se respecte, tu dois défendre cela avec n'importe quel moyen. Je vous ai dit de ne pas négliger les réseaux sociaux. Comme vous ne croyez pas à ce que je vous dis, vous avez vu aujourd'hui, eux, ils ont sorti une communication. Donc, sachez que de l'autre côté aussi, quand ils en parlent, ça les fait paniquer, même s'ils ne montrent pas. Enfin, n'aiment pas ça. Et ils ne veulent pas entendre que Daniel a gagné. Ils ne veulent pas que tu valorises l'UFDG. Ils ne veulent pas que tu valorises Daniel. Je vais souvent, quand tu discutes avec eux, ils disent certaines choses. Il y a certaines personnes qui disent que ça ne sert à rien de parler de cette victoire de Daniel parce qu'il ne veut pas accéder au pouvoir. Moi, je le vois à ces gens-là. Il y a un an et demi. Moi, j'ai défendu la Constitution. Il y a un an et demi. Mais je cherchais les RPG. Je disais, mais il n'y a pas de militants de RPG sur les réseaux sociaux, qu'est-ce qui se passe? Mais aujourd'hui, vous le voyez, c'est des lâches. Aujourd'hui aussi, les gens ne peuvent pas réclamer cette victoire. Ils veulent que ça grandisse. Au début, ils ne seront pas là. Quand ça va grandir, ils vont venir. C'est comme ça que ça se passe. Moi, je dis aux gens, quand il y avait tout ce bruit avant qu'on n'osait pas parler du RPG, on n'osait même pas parler d'Alpha Condé. Moi, une fois, j'ai défendu Alpha Condé, je ne vous dis pas, hein. Si ce n'est pas avec la personnalité que j'ai, j'allais piquer une crise. Je vais mettre cette vidéo là un jour, vous allez voir les commentaires. C'était hallucinant. C'était juste incroyable. Donc, moi je pense que Dieu m'a fait vivre cette expérience pour aujourd'hui. Parce que personne n'a pensé cette histoire de constitution au troisième mandat. C'était juste inimaginable. Il ne sait pas ce qui s'est passé. Au final, il n'a pas gagné, certes. Mais il y a eu quand même un parcours. Parcours assez étrange, que moi je n'ai pas oublié. Peut-être que les gens ont oublié. Moi je n'ai pas oublié cela. Si cela a été possible, on a pu mettre un mensonge en place. On pourra démasquer un autre mensonge et rétablir la vérité. Donc moi je dis à ces gens-là, si vous savez que Daniel il a gagné, rien que les clics sur les réseaux sociaux, ça ne va pas vous tuer, ça ne va rien vous faire. Faites-le. On ne sait jamais. Quand tu es dans le sens de la vérité, Dieu t'aide toujours. Je le dis souvent. On a mis la démocratie devant. Mettre Dieu derrière. On doit mettre Dieu devant. Vous n'avez pas besoin de vous habiller comme on dit Allah, à la gauche, à droite. Non. Dans votre âme et conscience, dans votre cœur, dans votre foi, dites Dieu, c'est toi qui fais telle ou telle ou telle chose. C'est toi qui fais tout. Moi, je te mets devant. Mais si dans ta tête, tu dis, ah, la démocratie, c'est toi qui vas me sauver. En âme, conscience et dans le cœur, tu mets ça devant. C'est dans ça qu'on est là.